Salut YouTube, comment vas-tu? On se retrouve pour l'épisode 10, hein, la 10ème VOD sur Nioh. Nous sommes arrêtés dans une mine assez chaotique, hein, faut le dire, c'est le bordel. On est un peu perdu, c'est du labyrinthe. Mais on apprécie quand même les petites features qu'il y a, notamment avec le poison et tout ça. En soi, pas tellement de galère, si ce n'est qu'il faut à chaque fois retrouver son chemin, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on est? Dans les mines d'argent, oui, voilà, c'est ça. Les mines d'argent d'Iwami. Il faut obtenir l'aide de Yoshikawa Hiroe. Je sais pas comment on dit, c'est un petit peu sombre à dire. Enfin bref, j'y ai pas joué, hein, depuis la dernière fois, bien évidemment. Il n'y a pas eu de stream, donc ça fait deux jours que j'ai pas. Enfin, une journée, un peu plus d'une journée que j'y ai pas joué. Et du coup, faut se remettre le gameplay dans les pattes. En soi, ça devrait aller, hein, bien évidemment. Là, c'est pour. Voilà, on a le choix des positions. Nous, on reste en position haute. On avait essayé de trouver un petit combo ou quoi, mais. On a vite abandonné l'idée. Oui, j'ai aussi un petit peu modifié les paramètres. Maintenant, on voit le nombre de PV, tout ça. Je sais pas si ça a une grande importance en termes d'indication, mais c'est pas grave. Voilà, là, du coup, nous avons le double slash montant d'équiper en position haute. Et en position basse, normalement, nous avons un truc. Voilà. Qui nous permet de passer directement en position haute, et il me semble qu'en position moyenne c'est la même chose. Voilà, exactement. Et du coup c'est cool ça, parce que comme ça, si on était amené à passer en position moyenne ou basse, il y a moyen de repasser en position haute sans trop de soucis, voilà. On y go. Alors je me souviens qu'on venait de là-bas, donc la suite c'est là-bas, voilà. On va vérifier au cas où on n'a rien loupé. Non, c'est bon, on peut y aller. Ça tombe, je me suis arrêté juste à la salle avant le boss. Quoi, je ne sais pas, je connais pas. Ah, par contre, il y a eux. Et eux, j'aime pas. Et il vient vers moi ou pas? Ah oui, il vient clairement vers moi. Ah non, pas vous. Foutez-moi la paix. Tiens. Eh ouais. Ah voilà. Vas-y, fais tes flammes de mort. Hop, le double slash. Tu fais pas mal de dégâts. Par contre, on est enflammé, on va faire des roulades vite fait pour enlever le feu, voilà. Bon, au moins il est mort, il nous fera plus chier là pour l'instant. Il y a des ennemis en dessous, bien évidemment. Beaucoup de poison. Ça, c'est pas une échelle à pousser, à activer, bien évidemment. Non, c'est juste descendre, ok. On va pas y aller tout de suite. J'imagine que ça s'est fermé. C'est un raccourci. L'échelle est descendue tout en bas. On va explorer le haut d'abord. Donc là, il y a le truc pour aspirer le poison. Donc ça, c'est cool. Ça, j'aime moins bien. Parce que je sens le... Non. Allez, vas-y. Hop, voilà, fait. Faut faire gaffe parce qu'on avance beaucoup quand on fait le double slash, mais bon, c'est pas grave. J'ose pas avancer parce que on connaît très bien le jeu, hein, ils peuvent nous faire tomber facilement, ces bâtards. Genre comme là, tu vois. Si on tombe pas, je comprends pas. Faut se méfier de tout, hein, dans ce jeu-là. Ou alors là. Oh, ce serait... Ah mais oui, là. Va nous faire chier. Mais là, par exemple, c'est clairement... Là, si je marche, clairement, je tombe. Donc je pense que c'est plus de l'autre côté qu'il faut aller. On le voit à la gueule, hein. On voit la gueule du ponton. Donc on va faire gaffe. Ah ouais, mais je peux pas passer, là. Je suis obligé de tomber. Et ça m'amène où si je tombe? Un coffre. Ouais. Hein, m'arrange pas, ça, en fait. Bon, alors attendez. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire. C'est trouver le putain de caillou qui fait du poison.
Parce que oui, c'est un caillou qui fait du poison. Non, j'ai failli tomber. Il est là. Ok. Donc le caillou qui fait du poison, il est là. Donc on active ça. Voilà. Alors, peut-être qu'ils nous en ont mis... Il y a deux cailloux ? Non, je pense pas en vrai. Je pense qu'il y en a qu'un. Alors, hop. Ok. Voilà. On a déjà le caillou en moins, donc techniquement, plus de poison. Eh hey, il fait un petit coup comme ça là, le fumier. Allez, tape. Ah ouais. C'est moi le poison, il est revenu. Il est clairement revenu le poison. Comment ça se fait? Merde, au secours! Équipement! Non, c'est pas ça! Objet! Antidote! On a pris cher du coup! Il faut réactiver. Donc il y en avait bien deux! Mais alors le deuxième? Là-bas! Ah! Faire tomber! Ah voilà! Allez go! C'est bon, c'est bon! Pas de stress là! Oh il a bougé! Il a bougé! Alors, je vais quand même aller par acquis de conscience. Hein. Voir à droite, à gauche quand même. Enfin, de l'autre côté, voir s'il n'y a pas un caillou empoisonné aussi. Genre, pourquoi là? Pourquoi il y a ça? Ils ont mis ça comme ça au pif? Après, pourquoi pas, hein? Oh! Oh! Ce petit réflexe. Non, je suis revenu dedans. Ah, j'ai merdé. Aïe, 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 aïe. Ah non. Ouais, voilà, faut le temps de se réhabituer. Bon, bah, on peut rajouter 32 morts, du coup, au lieu de 31. Fait chier. C'est pas grave, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Rassure-moi, le poison ne réapparaît pas. Hein. Non, du coup, c'est bon, il n'y a plus de poison. Ah, par contre. Abusé. Après ça va, ils font pas tant de dégâts que ça, donc c'est ok quand même. On aurait pu s'attendre à vraiment plus de dégâts ou quoi, mais ça va. Par contre, comment je suis censé aller là? Ah! Oh bah! Oh non! On avait fait une dinguerie là! C'est vraiment pas mal ça. Oh merde, bonjour! Dagger! Oh là! Salut RK! Et non! Je regardais pas! Merde! Non! Merci pour le raid, Dagger! Bienvenue à tous! Au secours! Je regardais pas du coup. Allez, on passe à 33. Putain, c'est la honte là. On fait de la merde.
Comment va? Merde, 33, je mets 36. On va pas déconner non plus. Tu me manques, mec. Bah, j'ai vu que t'avais lancé un live, mais comme t'avais marqué que c'était un test, je suis pas passé spécialement. Reviens jouer avec moi. Eh, hey, mec, tu sais quoi? Demain, on est quand? Demain, nous sommes mercredi. Du coup, est-ce que tu serais pas chaud pour un petit Mario Kart là, l'après-midi là? Rip, ouais, carrément, là, 33 morts là, putain, on se court. Oui! Eh ben demain, on stream aux alentours de 14h, ça irait ça? On se fait un petit stream Mario Kart là. Il y a longtemps. Bon, on y retourne. Oui, pitié, oui, grave. Bah voilà, nickel. J'ai plus beaucoup de munitions par contre. Il a pas été stun. Il s'en va. Respecte-moi. Non mais non, mais non. Non. Bouge. Dégage. Je te défonce la gueule. Tu défonces rien du tout. C'est beau. C'est beau un monde de qui joue. Hein. Bon, du coup, on va arriver à passer cette zone là où. Oh ta gueule. Voilà. J'ai fait le con, mais ça passe. Voilà. Oh la décapitation, ça c'est beau. Ah ouais, viens aussi faire du Gartic Fun, c'est trop fun en vrai. Et même Arcanal peut jouer, il n'y a pas besoin de mentir là en plus. Écoute-le parler. Si elle vient, je viens. Elle va te laisser en plan, elle va venir jouer avec nous. Toi, tu vas être solo du coup. Allez. C'est la revanche. Oh non, on a refait la même chose. C'est vrai que maintenant, depuis que j'ai le dash avant suivi d'une attaque, je fais plus que ça et puis bah ça me fout dans la merde. On va essayer. Attends, vas-y. Mongolise un peu. Voilà. Voilà. Si elle vient, je viens. Ça ferait tellement marrer qu'elle vienne. Comme ça, t'es obligé de venir, enfin. Enfin, on t'aura un samedi, quoi. D'où il a pas pris. Mais d'où? Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des trous partout du coup. Voir, faut que je m'embrouille avec, comme ça je m'isole dans la chambre et je joue. Tu te confines? Confine-toi, mec. Je suis là. Pendant qu'elle aura... Non, je regardais Piat. Je vais me soigner. On va pas prendre de risques. Mais... Oh, c'est une blague, ça. Allez. Je suis là. On l'a entendu. On l'a entendu, le petit bâtard. Il est où? Ces trous de la mort là. Par là peut-être. Il n'y a pas été. Il est là. AFK calotte, je reviens. Ça marche. Peut-être la punition pour s'emparer de ces pierres. Mais que de la gueule. Il provoque en plus, c'est beau ça. Oh, God.
Bon, en vrai, la zone, ça va. Hein. C'est parce que juste, on a fait full merde. J'aime pas trop les... Niveau 47, le mec, là. J'ai le niveau. On peut voir notre niveau, d'ailleurs, non? Statut. Niveau 37. Il a 10 niveaux de plus. Il y a un monde où on le bord. Oh, j'ai envie de tenter. C'est parti. Le kiting. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ça! Tu arrêtes! Non! C'est bon. Oh yo. Hitachi. Taro. Ok. Bien. Donc on a encore. On a une échelle là, allez voir. Mais il y en a encore un de petit bonhomme là. On l'entend, mais où? Il est où le dernier Kodama là? Enfin le dernier. Ah, ça nous amène ici. Mais il est par là-bas. Attendez, ça m'intrigue. Au secours. Il me le faut. Enfin, j'espère, c'est surtout que c'est un Kodama qui nous permet de récupérer l'élixir. Ah là. Ah, je suis sûr qu'il est... Ce bâtard, il est quelque part là. Comment je... Ah, d'en haut. Ah, j'avais pas vu ça. Attendez, alors... Là. Quoi? Ah oui. Ok. Bah génial. Bah génial. Ok, on y retourne, on y retourne. Je suis sûr qu'il est là. On l'entend par là, donc... Par contre, est-ce que c'est un... Je crois pas que ça soit un qui nous donne de l'élixir. Bon, c'est pas grave, au moins ça en fait un. Dagger est mort. Hello my friend, are you here? Oh, il a pris un peu cher, lui. Un peu cher. Kaioku Damos, ça c'est des bombes si je me souviens bien. Ça, ça m'amène où? Ça m'amène ici, ok. De toute façon... On va sauter. On a vu un objet là-bas que j'ai pas pris. Ok. Voilà. Oh là là. En fait, j'aime pas trop ces zones-là parce que c'est beaucoup de plateformes. Tu peux aller partout et nulle part à la fois en fait. C'est beaucoup d'aller-retour que tu dois faire et c'est un peu chiant quand même. Faut le dire, hein. Bon, là normalement on est bon. Oh, ce réflexe! Arrête là. Voilà. Ta gueule est mort. Rip. Oh mais c'est une blague! Mais tu sors d'où toi? Ok. Allez! Bon alors là j'ai... Là c'est le trou. C'est pas la peine. On va essayer d'aller voir là-bas parce que... Ah mais ça, ça peut être le... Ouais, raccourci mais... Into... Mob vénère. Là, il y en a combien? Deux. Dans le doute, je tape. Ah oui, il y en a deux. Il y a que deux trucs. Donc c'est bon. Normalement, c'est pas une mimique. Oui. Un mimique ou une mimique? J'ai toujours dit une mimique.
Oh la mistre! Crève! Oh, il m'a mis une tartasse! Ça fait mal. Ok, mais par contre, là, on a le petit raccourci. Donc, en vrai, on pourra retourner à l'hôtel si jamais. Donc, ok, donc la suite, c'est par là. On s'en sort, c'est pas mal. Bon, est-ce qu'on va faire try le boss comme les deux précédents boss? Bon, après, c'est vrai que c'est plutôt un boss ennemi parce que la gare sans collant, on l'avait déjà fait. Par contre, cette zone, elle me dit. Wow. C'est une nouvelle zone. J'ai pas moyen de. Je suis obligé de tomber, mais j'ai l'impression qu'il y a du poison partout. Ah, va falloir que je cours directement à l'échelle pour éviter le poison. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas des araignées. Ah, mais c'est des. En fait, c'est pas des cailloux! What? C'est le boss! Vite! Ah! Je sais pas ce que je fais, je cours! J'active ça! Ça fait quelque chose? J'ai pas l'impression! Aïe! Non! Aïe! Aïe! L'œil! Ah, mais il s'est barré! Fous-moi la paix! What? Tiens, un petit shuriken! Ça fait rien! Vite, monte. Oh non, mais c'est bon. Ah oui, le canon, c'est horrible. Ah mais ça y est, là on lui fait vraiment des dégâts. Attendez alors. Viens. Arrête de fuir. Il va arriver d'où? Genre il va sortir d'un trou, il va me sauter dessus. Il est où? Je l'entends mais je le vois pas. Ah, il est derrière. Vite! Cours! Il me fait stresser ce boss! Il faut encore que je lui pète le fion là! Voilà! Empoisonné. Mais il a mis du poison partout là. Ah non, qu'est-ce qu'il fait là? Aïe! Faut que je prenne ça pour contrecarrer le poison.
Il est où l'antidote là? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas où est-ce que je vais. Non! J'ai mis 45 ans à me trouver un antidote! Bon ok, la première fois qu'on le pète, il répand pas de poison, à moins qu'on pète un caillou j'imagine. Il faut qu'on le refasse, putain, attendez, faut mettre une mort en plus là, ça dégoûte. Il est bizarre le boss, mais en vrai il, ça a l'air d'aller quand même. On passe quand même de 31 morts à 34. Hein. Par contre il me stresse le ce boss à me courir partout. À être à mon cul à chaque fois. L'écho d'Ama du coup là. On a toujours la bénédiction du guérisseur, ok donc c'est bon. Par contre c'est que 10%, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a eu. Faut qu'on retrouve nos âmes aussi. Allez. C'est parti. Bah elles sont juste devant. Let's go. On a, on a déjà eu la cinématique. J'ai failli juste tomber dans le trou. Prendre ça. Petit antidote. Faut qu'on aspire le poison maintenant. Ok, il a paru là. Faut que je descende du coup. Il est où? Il sort d'où là comme ça? Ah! Y'a mes tes kudasai! Pourquoi il y a des trous comme ça? Est-ce qu'il se met dedans? Non, il rentre pas, ça fait rien. Ah merde, le poison il est revenu! Vite, 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 vite. C'est bon. Au moins le poison, on l'a évité. Non, faut que je rush pour le réenlever une fois. Ok. C'est quoi ça? Je tape là mais il y a un bug. Pourquoi je peux focus ça? Bon c'est pas grave. J'ai pas compris. Pourquoi je peux cibler ça, ça m'a foiré et tout. J'ai fait. Du coup j'ai fait ça pour rien. Bon c'est pas grave. Oh non. Non. J'ai pas le choix. Cours. C'est un bordel. Petit antidote là. Ok, faut que je respire le poison là. Ou y'en a plus? Si j'ai, y'en a toujours. Ok. Bon, c'est pas le first try hein, pour l'instant. Hein.
Bah puis de toute façon il ne sera jamais. Il est tombé. Faut que je fasse gaffe du coup, mais... Oh, ils donnent des élixirs eux. J'ai plus de balles. Par contre là, normalement, il va repartir. Ok. J'ai compris le fonctionnement. C'est-à-dire que quand il a plus son corps entier, il faut le stun, lui faire un max de dégâts là quand on peut. Par contre là, quand il récupère son corps, le seul moyen de lui faire des dégâts, c'est avant de lui péter une partie de son corps. Donc ok, ça... Non ! Voilà. Et là. Aïe. J'ai plus d'antidote, enfin j'ai plus de miracle, charme, je ne sais quoi. Ok, on va s'enlever le poison. Il est où, il arrive. Oh mais attendez. Voilà. C'est propre. Du coup, bah, on a fini. Deux essais pour ce petit boss là. C'est de la bite en bois. Donc c'est bon. Alors par contre, je veux activer ça pour. Je veux faire le tour de la zone, voir s'il n'y a pas des petites cachotteries genre comme là. Ok, donc 34 morts. Mais ta gueule! Elle me fait chier! Merci pour les GG. Hein. Alors, en vrai, ça va. C'est pas le plus compliqué. Hein. Celui où on a eu le plus de mal, en vrai, c'est la gonzesse, là. Hein, nous a bien cassé les couilles. Hein. Mais non, en vrai, ça va celui-là. Et il change un peu. C'est vraiment cool. Plutôt qu'un boss où faut taper. Et esquiver là, ça change un petit peu. C'est vraiment cool. Ok. Oh, on nous rend des antidotes, c'est bien. Ok, bon, allez. Let's go. Vous terminerez la mission. Continuez. Oui. Ah, bah voilà. Faire rondement mener. Est-ce qu'il y a une cinématique? Ou est-ce qu'on retourne directement à l'écran de sélection de mission? Ok. 7000 balles, 2800 âmes. Et on gagne 3 trucs, une bouteille, un truc pour quitter l'émission. Et un chapeau! Merci d'avoir résolu le problème à Iwami.
Nous devrions être à présent aptes à reprendre l'extraction minière. J'apprécierais que vous ne divulguiez pas ce que vous avez vu là-bas, en bas. Gardez-le pour vous et je vous assure que le clan Mori sera heureux d'honorer la requête de Maître Hanzo. Aussi longtemps que cela semblera avantageux, si vous souhaitez plus d'aide du clan Mori, je vous suggère de rendre visite à Kobayakawa Hideaki. Allez, les noms sont quand même... sont vénères à prononcer. Ok, bah voilà. Mission changée pour une mission crépuscule. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mission changée pour une mission crépuscule. Alors par contre, s'il te plaît, voilà mon joystick. Merci. Ça, on a beaucoup de missions secondaires. Ça, c'est la mission principale, ok. Ça, c'est une mission... Ah oui, donc là, si on y repart, c'est en mission, mission secondaire et on refait la même zone. Ah, oh, ça me ferait chier, en vrai. Attendez, c'est quoi ça, là ? Ah mais con, c'est la mission principale, là, avec le point d'exclamation. Je suis con. Par contre, ça... Est-ce que c'est des zones qu'on va découvrir plus tard et on nous les met déjà en mission secondaire, là ? Esprit protecteur, isonade. On peut gagner des nouveaux esprits en faisant ça ? Ah mais faut les faire, du coup. Je sais pas, sauvegardons déjà. C'est quoi 275 000 ? Non, 2 751 500. C'est quoi ? Ça correspond à quoi ça ? Et genre 467, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut avoir de l'aide ? J'ai moyen de revenir dans l'autre zone. Oh mais trop bien. Ok. Je sais, ça correspond à quoi ça? C'est terrible. Dojo, on n'a pas de nouvelle mission, non. Forgeron. Est-ce que tu veux... On n'a pas de niveau de fidélité. Comment est-ce dans vos contrées? Je ne suis jamais allé au-delà des mers, alors j'aimerais en savoir plus. Ce n'est pas bien différent d'ici. Alors j'adore ça. Hein. Commencez dans vos contrées. Nous avons une grande tour. Mais quelle est? Elle te demande des explications sur ce qui se passe là-bas chez toi ou quoi? Nous avons une grande tour. C'est... Ah, génial. Merci, hein. Merci pour ce que tu nous racontes. Hein. Ça sert à rien. Si je lui dis ça. Ça a l'air impressionnant. Bah pas vraiment. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble une grande tour, mais bon. J'aimerais embarquer à bord d'un navire et voir ça de mes propres yeux. Mais il faut dire qu'il y a déjà tant de choses à voir au Japon. Un jour j'irai au Japon. Un jour. Ok, c'est tout. Où donc peut bien se trouver mon grand-père? Il ne devrait pas me laisser seul. Ok, c'est tout. Tu dis que ça. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Je pense que nous avons tout ce qu'il vous faut. Prenez votre temps. Ok, il n'y a rien d'autre. Bon, par contre, on est on a plus de thunes pour améliorer notre... notre Odachi. Ça, c'est un peu... C'est un peu dommage, quoi. Parce que là, ouais, notre Odachi, on a celui-là. Mais il donne pas de PV. Il est où notre... On peut trier par familiarité. C'est pas mal ça, comme ça on voit. On fait 237 en dégâts. Est-ce qu'on a un Odachi plus vénère? Ce katana, il est pas dégueu. 239, c'est le plus puissant qu'on ait en plus. Oui. Et pourquoi je l'ai pas d'équipé? Ah mais c'est parce qu'on a... Raikiri.
On n'a pas d'Odachi d'équiper. Si, il doit être bas en fait. Je suis con. Là, on a 267. Hein. Mais on part. On perd notre régène de PV. En vrai, ça me fait tellement chier de perdre ma régène de PV. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de. Attendez. On n'a pas un petit niveau 29 qui traîne là, là. On a un niveau 28. Ah, ça coûte tellement cher. 119 000. Donc non, on va devoir se séparer de notre Odachi. Juideg. Ah, ça me fait tellement chier en vrai. Bah tant pis. Hein. Oh, je suis dégoûté. Et tu forges rien de mieux, quoi. 220 à 252, bah non, c'est pas mieux. En familiarité, une. Ah non, on sait pas, ça c'est... Ouais. Ça me coûte 800. Ça me coûte 2. Ah, ça me coûte de la laque. On va tester, voir. Ah, mais je choisis la qualité. C'est ça. Il m'en faut 2. Alors admettons. Ah oui, je choisis la meilleure qualité que j'ai. Ok. Et du coup, ça me donnerait un truc. J'ai 39% d'avoir 39% de chance d'avoir un truc rare. Enfin, un bleu. Ok. On tente, hein, on découvre. Est-ce qu'il est bien ? On va voir. Association d'âme. On a forgé notre premier truc. Et c'est celui-là que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est de la merde parce qu'il y a celui-là qui est mieux. Dégâts coup de grâce, dégâts d'attaque posture moyenne, brise-garde d'attaque. Et celui qu'on a fait, c'est dégâts compétences, réduction du ki. Attaque de mêlée critique. Ah, et en posture basse, ça, j'aurais préféré en posture haute. C+, D+, B+. C+, non, C, C et B+. Putain, mais on a fait ça pour rien! J'en peux plus, j'en peux plus! Bah tant pis, hein. Au moins, on a vu ce que ça fait. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. Ok, bon. Ah, voilà. C'est comme ça. Très bien. Matadozo. Bien, YouTube. On va s'arrêter là, en tout cas. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner. Voilà. Tout ça. Rejoins Instagram, Twitter, Twitch en description. Moi, je te fais des gros bisous et puis je te dis à la prochaine. Et des bisous. Ciao !